Coucou tout le monde, c'est Emma de la chaîne Les Loisirs des Manessans. J'espère que vous allez tous bien. Alors, on se retrouve pour le menu de la semaine qui arrive. Donc, pour cette semaine, alors, pour lundi, ce sera un gigot d'agneau avec des fagots d'haricots verts et un gratin dauphinois. Donc, pour ça, il vous faut un gigot d'agneau. Des haricots princesses, du lard petit déjeuner, des pommes de terre, du sel, du poivre, de l'ail et de la noix de muscade. Voilà. Donc rien de très compliqué et de dur à trouver. Voilà. Alors pour mardi, là c'est des nids d'oiseaux salsifiés à la crème et une purée. Donc pour ça, il vous faut de la chai, des œufs, de la chapelure, du sel, du poivre, de la noix de muscade, des salsifis, de la crème fraîche liquide, le jus d'un citron et des pommes de terre. Voilà. Alors, pour mercredi, là, c'est un gratin de poisson en cassolette avec du riz et des champignons. Enfin, une poêlée de champignons. Donc là, il vous faut des champignons. Comme poisson de la lotte ou du cabillaud, des crevettes roses, du vin blanc, du beurre, crème fraîche liquide, un jaune d'œuf, du safran et du riz. Voilà. Alors pour jeudi, là ce sera des macaronis jambon fromage. Alors pour ça, il vous faut des macaronis, des jambons, de l'ail, de la crème fraîche liquide, du sel, du poivre, du fromage qui rit, du parmesan et du persil. Voilà. Alors pour vendredi, là on revient sur un sujet que j'aime beaucoup, qui est la cuisine asiatique, hein? Parce que vous savez que j'aime la cuisine asiatique. Voilà. Donc évidemment, il y a un plat de cuisine asiatique qui est le oyakodon, qui est en fait un plat japonais à base de poulet avec des oignons et un œuf par-dessus. Voilà. Donc pour ça, il vous faut du riz, des os de cuisse, de poulet évidemment, des oignons, 3 œufs, du soja, du mirin ou mirin, du bouillon d'ashi, du saké, du sucre et des oignons nouveaux. Voilà. Donc ça, je pense que c'est une recette que je vais écrire et que je mettrai certainement sur mon groupe ou sur ma page Les Loisirs de ma naissance. Samedi, là, ce sera un gratin de pâtes épinards à la citrouille. Donc si vous avez vu mon retour de course, vous avez vu que j'ai acheté un petit potiron et un butternut, voilà. Donc je vais utiliser le potiron. Enfin, c'est un potiron ou un petit marron, je ne sais plus. Enfin, voilà. Et pour ça, il vous faut des pâtes, des tranches de bacon, des épinards, du beurre, de la farine, du lait d'amande, du parmesan, du cheddar, du sel, de l'ail, du poivre et évidemment de la purée de citrouille. Voilà. Donc en fait, c'est tout bête, c'est vous videz le petit marron et vous faites une purée avec. Et voilà, c'est tout. Donc sur internet, il y a la recette pour faire la purée de citrouille. Et alors, en fait, vous mélangez ça à votre sauce béchamel. Et alors, ça fera une sauce à la citrouille pour votre gratin de pâtes. Voilà. Et c'est tout. Et dimanche, ben là, je sais pas ce qu'on va manger. Donc voilà. Donc ça change pas. Voilà. Donc j'espère que ce petit menu vous aura plu. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye!